toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens un petit peu à l'arrache, comme on dit. Il est déjà 16h et la lumière se barre et j'avais envie de vous retrouver malgré tout dans la maison. Il y a des travaux, donc je ne sais pas filmer en plein jour parce que ça fait énormément de bruit. Et donc voilà, ils sont enfin partis, le calme est revenu et j'avais envie de revenir avec une vidéo que j'ai vue un peu par-ci, par-là. Alors, tout un chacun a son avis à ce sujet, mais j'avais envie de faire une vidéo comme ça se faisait à l'époque. Donc à l'époque, quand j'ai commencé sur YouTube, c'est-à-dire des tags, et je trouve que ça manque. C'est ces débuts où on faisait des vidéos toutes simples, où on apprenait à se connaître, où on pouvait être peut-être... comment dire, plus honnête que l'on est aujourd'hui. Et voilà, il y a de plus en plus de gens, voilà, de trolls sur la toile, de gens de... Ah, je m'égare déjà, mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont des donneurs de leçons et qui font qu'au fur et à mesure, ben, je pense que les youtubeurs et les youtubeuses ont eu de plus en plus de mal à pouvoir être, je vais dire, 100% eux-mêmes. Peut-être moi aussi, hein, je parle de moi aussi, j'ai eu par le passé des très très grosses critiques, j'en reçois encore aujourd'hui, et même si on vit avec et si on... Corail, non! Même si on apprend à vivre avec et que il y a certaines choses qui nous sont dites et qui peuvent nous faire réfléchir, ben... Comment vous dire que ça peut quand même changer la vue de l'esprit qu'on peut avoir. On finit en tant que youtubeur, personne qui crée des vidéos, à faire de plus en plus attention, à peser le pour et le contre de chaque mot. Et parfois c'est difficile, en tout cas c'est difficile pour moi parce que je suis spontanée, je prépare pas mes vidéos, je suis en toute simplicité avec vous, donc et j'évolue dans le temps, donc ça fait 5 ans que je suis avec vous, que je partage ça, parce qu'il y a des personnes qui sont avec moi depuis le début et qui m'ont suivi. D'ailleurs je les embrasse très très fort, ils se reconnaîtront, elles se reconnaîtront surtout, et donc voilà, aujourd'hui je vous reviens avec un tag, donc un tag à l'ancienne, et le tag c'est mes opinions impopulaires. Pourquoi je reviens? Donc justement parce que j'avais envie d'aborder cette chose qui est que il y a des personnes qui sous le couvert de conseils ou de voilà des choses qu'on leur demande pas, des jugements sur notre vie ou voilà qu'à terme eh bien on a fini par se mettre peut-être dans des moules et j'avais envie de sortir de ces moules et de vous donner un petit peu les idées impopulaires que j'ai et d'y faire face. On a tous des avis différents, donc voilà, j'aimerais qu'on se rappelle qu'on a tous des avis différents, qu'on n'est pas obligé de suivre les donneurs de leçons. Voilà, qu'on peut avoir des avis différents de son voisin, d'amis, de voilà. J'avais envie d'attirer votre attention là-dessus, de rester vous-même, et c'est ce que j'essaye de faire un maximum, tout en étant, pouvant quand même m'enrichir évidemment de certaines choses qui peuvent me faire réfléchir positivement. Donc voilà, alors on y va, cette introduction était super longue, mais c'était juste pour vous compreniez ma démarche aujourd'hui en faisant ce tag. J'espère que cette vidéo aura été comprise dans le bon sens, hein, comme d'habitude, voilà. Donc... on peut tous avoir un avis différent. Si vous ne partagez pas mon avis, voilà, n'hésitez pas à donner le vôtre, mais tout en étant bienveillant, pas en étant dans le jugement. On a tous, et c'est important qu'on ait tous des avis différents. C'est ce qui fait qu'on est des personnes uniques, et je tiens à ça et je trouve ça génial. Donc voilà, maintenant qu'on se fasse le juge et le tribunal, non. Non.
Voilà. Mais bon, je peux avoir avec mes idées, mes opinions impopulaires, aussi on peut estimer que c'est comme du jugement, mais non, je vais uniquement vous parler de ce que moi je n'aime pas ou ce que j'aime et qui est étrange pour les autres. Et voilà, c'est juste, je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'on peut tous avoir des avis différents et que il y a une manière de le dire et il y a une manière d'être. Et pour moi, cette vidéo est là aussi pour attirer l'attention sur le fait que parfois avoir des idées, ben ça peut... mes propres idées peuvent parfois choquer, mais ce sont les miennes et c'est pas grave. Est-ce que pour autant on peut les juger? Je sais pas. En tout cas, ce sont juste les miennes. Alors, je ne sais même pas si je vais poster cette vidéo parce que j'ai très peur quand même du retour que je vais en avoir. Mais on verra, hein, on verra. Alors, ce que je n'aime par exemple pas du tout, mais c'est juste, je vous dis toujours, c'est mon avis, comme quoi je stresse, là, il y a du stress, hein, vous le sentez. Quelque chose que je n'aime pas, que je ne fais pas. Et que j'ai du mal à comprendre. Je me doute bien qu'il y a des raisons que d'autres personnes le fassent et qu'elles aient du plaisir là-dedans. Donc voilà, je ne dis pas que je juge pas, c'est juste que je ne comprends pas. Moi, personnellement, j'aime pas. C'est quand je vois des gens qui tirent la langue sur des photos. Il y a un côté... Oui, j'aime pas ça. Quand une bande de copines ou une bande de copains se mettent ensemble, font une photo sur Instagram ou n'importe où d'ailleurs, et qui commencent à tirer la langue, je trouve que on fait pas assez de sourires sur les photos. Il y a, on voit bien ça avec les mannequins ou même avec tout le monde. Souvent, on oublie de sourire. Donc, j'ai plutôt envie de dire souriez. Voilà, pourquoi tirer la langue? Pourquoi ne pas sourire? Souriez à la vie quand on attire voilà, donc quand on sourit, ben on sourit à la vie et la vie est plus positive. Enfin, ça, c'est mon avis, c'est ce que je pense moi, donc voilà. Alors, ce que je n'aime pas non plus, et voilà, c'est quand il y a des personnes qui mettent des lentilles de couleur. J'ai un peu de mal avec ça, je trouve que ça change tellement la personne. Souvent, le regard, les yeux, c'est le regard, c'est l'âme, c'est la porte vers soi-même. Et donc, j'ai un peu de mal avec le fait qu'on mette autre chose sur les yeux. On a les yeux bruns, on veut tester les yeux bleus veulent tester les yeux bruns. On met des yeux blancs, rouges, des yeux de chat. Oui, je trouve que ça change trop, j'ai du mal à reconnaître les personnes lorsqu'elles mettent des lentilles et donc j'aime pas, moi j'aime pas personnellement, ça veut pas dire que vous ne devez pas le faire, hein. Tout ce que je vous dis, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, faites comme votre cœur le dit parce que c'est ça qui est le plus important, mais voilà, je voulais faire une vidéo un peu sympatoche, un peu différente. Et j'avais vu cette vidéo d'ailleurs sur la chaîne de Clochette Makeup. Je te fais un énorme bisou. D'ailleurs, je vous enjoins vraiment à aller voir sa chaîne. C'est une personne que j'apprécie énormément, qui est solaire, qui est douce, qui mâche pas ses mots, qui est simple et dans le bon sens du terme, qui est belle comme un ange. Voilà, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, donc Clochette Makeup. Voilà, je te fais des bisous. Et donc, j'avais vu chez elle. Alors, elle parlait, elle aussi, des extensions. Et je trouve que, oui, effectivement, pour moi aussi, les extensions, c'est très étrange, surtout lorsque ça se voit. Je veux dire, si moi, j'allais taper maintenant des extensions sur mes cheveux, ça serait moche, quoi. Ça ne m'irait pas parce que ça se verrait. Je trouve qu'il y a des personnes qui ont les cheveux jusque-là et qui mettent du jour au lendemain des extensions qui leur viennent jusqu'aux fesses. Et voilà, tout d'un coup, elles ont les cheveux raides, elles font des coiffures qui sont bouclées et compagnie. Voilà, ça par exemple, j'ai un peu de mal avec ça. Donc, mais je sais qu'il y a des... Et alors aussi, il y a des problèmes de couleur, quoi. Hein. Quand on a les cheveux châtain clair et puis qu'on met des extensions qui sont blondes... Bah bon,
Alors, qu'est-ce que je voyais? Oui, ce que il y a comme ça des personnes qui adorent certains acteurs que moi je comprends pas, je capte pas. Par exemple, Brad Pitt, c'est le mec, l'acteur qui a un succès monstre. Je le trouve pas beau, moi personnellement, mais attention, hein. Voilà toutes mes idées. Je vous en prie, quoi, ne me lancez pas des épées à la figure. Moi, il me fait que dalle, quoi. Il me fait vraiment que dalle. Par contre, un autre que j'adore, c'est Hugh Jackman. J'adore cet acteur. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous parlais de mes acteurs préférés. Et pour moi, pourquoi est-ce que Hugh Jackman, pour moi, c'est... Mais je l'adore dans Wolverine, par exemple. Vous allez dire, ah, c'est quand même bizarre. Oui, effectivement, c'est peut-être bizarre. Moi, j'aime les hommes velus. Bon, il y a velu et velu, hein, voilà. Mais j'aime le poil. Moi, les hommes avec de la barbe, avec un peu de poil qui sort de la chemise. Je trouve ça, je sais pas, moi, un peu animal. C'est je sais pas. On est dans confessions intimes ici. Enfin bon, c'est pas grave, on joue le jeu. Donc voilà, par exemple, ce que je comprends pas non plus, ce que je fais pas, c'est par exemple utiliser des shampoings secs. Je sais pas utiliser ça. Je me lave les cheveux tous les deux jours. Maintenant, un peu moins qu'avant. Donc voilà, mes cheveux sont beaucoup plus secs qu'avant. Peut-être que c'est la couleur ou parce que je m'hydrate un peu moins pour le moment. Mais les shampoings secs, j'ai du mal avec ça parce que je trouve que c'est sale, quoi. C'est que dans ma tête, hein, certainement. Mais je sais pas. En plus, j'ai tenté ça, je crois, une fois. J'ai dû faire ça comme une clète. Non, mes cheveux sont tellement lavés rapidement que je vois pas l'intérêt d'utiliser un shampoing sec. Par contre, je pense que pour les personnes qui ont des longs cheveux et qui mettent beaucoup de temps pour les sécher par la suite, peut-être que les shampoings secs, c'est bien, quoi. Puis ça donne... Voilà, ça permet peut-être de faire des queues de cheval et tout, mais chez moi, hein, un shampoing sec, je mets 5 minutes pour les laver et 3 minutes et demie plus tard, ils sont secs chez moi parce qu'ils sont très très courts et fins et donc voilà, bon, moi les shampoings secs, non merci. Alors, j'ai quand même fait une petite liste à côté parce que ça fait un jeu depuis ce matin, je note un peu au fur et à mesure ce à quoi je pense. Alors, par exemple, un truc que je trouve aussi, vous me direz hein, si vous êtes d'accord avec moi, c'est la nouvelle mode du maquillage où il y a un trait d'eyeliner qui, au lieu de venir le long des cils, vient en plein milieu là sur la paupière. Je comprends pas bien. Je comprends pas très bien. Alors, c'est très design, mais je trouve pas ça joli. Moi, je trouve pas ça joli. Donc, voilà. Alors, oui, un autre truc que je trouve pas joli, moi, mais je vous dis encore, c'est juste moi. Et ça veut pas dire que parce que c'est moi que vous ne devez pas le faire ou changer d'avis. Au contraire, si ça vous plaît, c'est génial. Voilà, ce qui compte, c'est que chacun trouve son bonheur dans ses propres actes. Donc, voilà. Mais moi, j'ai du mal avec, par exemple, les bas en espèce de treillis, enfin en filet, et des banilons en filet. Et alors là-dessus, le short à ras del machin, quoi. Où on voit le bout des fesses qui dépasse je trouve ça... Il faut avoir un derrière comme ça. Il faut avoir des jambes picobello. Je trouve ça quand même un petit peu vulgaire. Donc, je comprends pas. Mais bon, si on a des guiboles d'enfer, un cul génial et qu'on n'est pas mal à l'aise avec ça, que Dieu... Voilà, tant mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, cette mode qu'il y a eu il y a quelques années de mettre des sapins, d'acheter des sapins à l'envers. Ah ben, c'est le cas, bon, je me suis mise devant mon sapin. Je pourrais allumer les lumières, mais alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du zoom de ma caméra. Je n'avais pas envie de tester ça. J'avais juste envie de me poser. Je suis au sol là. Et donc, la mode du sapin à l'envers. On voyait des sapins dans les magasins qui étaient vraiment mis à l'envers. Je trouve...
Pas bizarre ça, non? Je trouve ça bizarre. Alors, un autre truc que tout le monde aime et que moi j'aime pas, c'est les M&M's. Mais alors sous n'importe quelle forme. Crunchy, pas crunchy, chocolat, cacahuète. Alors ceux à la cacahuète. Alors ceux-là, les personnes qui mangent des M&M's à la cacahuète, j'ai du mal. Pourtant, je viens de manger des cacahuètes. Hein. J'ai fait des cookies à la cacahuète. Mais quelqu'un qui mange des M&M's à la cacahuète, ça sent mauvais, quoi. Je sais pas. C'est peut-être l'odeur de la cacahuète qui me plaît pas. Mais ça fait pas longtemps que je mange des cacahuètes moi-même. Hein. Ça doit faire un an. Donc voilà. Par exemple, quand on va au cinéma avec la biche et tout, lui, il adore ça. Je trouve ça dégueulasse, mais enfin bon, voilà, c'est mon goût à moi. Et alors, il mange, puis ça fait croque, et puis après, il me parle, il veut discuter avec moi du film. Oh my God! Ah, j'aime pas cette odeur de cacahuète, d'haleine de cacahuète. Oh, dites-moi que je suis pas la seule, hein. Alors, ce que j'aime pas non plus, c'est par exemple les bananes. Mais alors, les bananes, les seules bananes que j'aime, ce sont les petites, quand elles sont vertes. Ou tout juste jaunes. Mais alors, tout juste, quoi. Celles qui sont encore légères. Alors, ça va. Ou alors, les petites bananes des îles, oui. Mais encore, hein, vertes aussi. Hein. Mais alors, tous les yaourts à la banane, tous ces goûts de bananes chimiques, en fait. Ah, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. La glace à la banane. Non, j'aime pas. Alors, ce que j'aime pas non plus, ce sont les clémentines. J'aime pas les clémentines. En fait, j'aime pas la peau des oranges. Vous savez, pas la peau, le zeste, mais la peau qu'il y a entre chaque petit morceau de fruit là. J'arrive pas à manger ça, j'ai toujours peur qu'il y ait un morceau qui reste dans ma bouche et un qui va dans mon estomac, enfin dans le gosier là. Donc j'aime pas ça, j'aime pas ça. Donc pour le moment, avec la Saint-Nicolas et Père Noël qui arrivent à grands pas, il y a des clémentines partout. Alors le jus de clémentine, par contre, je trouve ça super bon. Mais c'est surtout cette peau qu'il y a là entre, j'aime pas. Alors, autre chose, j'ai horreur des souris. Ça me fait une frousse. Mais alors, j'en ai vu une ou deux dans ma life et j'ai escaladé les chaises et les meubles, quoi. Je supporte pas ça. D'ailleurs, même aller regarder le film Ratatouille, c'était limite, hein, les gars. C'était limite. Donc, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent. Mais c'est un peu avec tous les rongeurs. Hein, j'ai ça avec les hamsters aussi. J'aime pas trop ça. Les rats. Oh, rien que d'y penser. Oh, rien que d'y penser. Je me raidis. Non, 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 non. Ça, c'est quelque chose. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont souvent des souris qui sont apportées par leur chat comme étant des cadeaux. Oh là là, oh là là. Rien que pour ça, je pourrais pas avoir un chat. Je peux pas avoir, ça peut pas être un cadeau, quoi. Moi, je sors plus de chez moi. Pourtant, je sais qu'il y a des souris, hein, dans mon jardin. Mais loin, loin, très très loin de moi. Ou non. Et alors, les gens qui ont comme ça, alors les petites souris et tout ça, si vous en avez et que vous aimez ça et que très bien, mais ah, moi je peux pas. Moi je peux pas. Même si on dit que c'est mignon, je trouve pas ça mignon. Je trouve ça vraiment très moche. Non. Un hamster, les souris, non. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas non plus, c'est la neige. Ouais. Et on est face à la neige là bientôt. Donc, j'aime pas ça. Quand je marche dans la neige, vous savez ce bruit qui fait. J'aime pas ça. C'est comme la ouate. Vous savez, quand vous prenez un morceau de coton, mais ça se fait moins avec le démake-up, mais vraiment la ouate comme nos parents utilisaient, et que vous le prenez, que vous faites comme ça, il y a ce bruit-là. J'ai les poils qui se dressent. Hein. Et la neige, ça fait un peu pareil aussi. Puis il fait froid. Et je déteste le froid. Je déteste le froid. Je préfère le chaud. Et vous aimez la neige?
J'adore faire cette vidéo, en fait, je trouve ça super drôle. Voilà, j'espère que vous la trouverez aussi drôle que moi d'ailleurs. Et alors, il y a encore un truc que je n'aime pas. Je n'aime pas manger. C'est la paella. En fait, je n'aime pas manger ce qui est des mélanges. Alors, vous voyez, moi, pour moi, la paella, ça, la paella, ou je ne sais pas comment on dit, en tout cas, moi, je dis paella. Le fait d'avoir du poulet avec des crustacés, des moules, du riz, du safran et tout ça. Non. C'est comme j'aime pas non plus le poulet aigre-doux. Non. Pour moi, c'est ou du poulet, ou de l'ananas, ou de la sauce sucre. Mais pas en même temps. La paella, ben, c'est ou du poulet, ou des crustacés. Mais pas en même temps. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça dépend. C'est l'autre cocotte qui est occupée à ronfler. C'est la grande corail qui est occupée à ronfler tout son dessous. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo. J'étais plutôt inquiète en début. Je suis toujours inquiète hein, du retour que vous allez me faire. J'espère que ça sera fait plutôt sous le ton de la rigolade et de la bonne humeur, s'il vous plaît. On est dans la Elfio de familier ici. On prend juste le plaisir d'être positif et voilà, même si ce sont des choses que moi je n'aime pas ou que j'aime particulièrement, ou voilà, c'est, j'avais envie de revenir vers une vidéo un peu tag de l'époque. Et si vous avez envie, vous aussi, de la faire, que vous avez une chaîne, oh, n'hésitez pas à la faire, vous aussi. Et ça serait trop bien, on ne parle pas assez de toutes les chaînes comme ça se faisait avant. Il y avait une solidarité entre les personnes qui faisaient des vidéos, ça s'est perdu. Et juste une petite aparté quand même, je ne sais pas si Laurette va passer par là, mais merci Laurette, merci. Parce que tu a fait ce genre de choses et d'avoir parlé de ma chaîne et ça m'a été droit au cœur. Donc, c'est... Voilà. C'est bon de se dire qu'on peut avoir des bons sentiments et que même si on a des avis différents qui peuvent être drôles, que pour autant, on n'est pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement, tout ce que... Voilà, les gens qui tirent la langue, si ça leur fait plaisir, mais que Dieu... Mais que bon, allez-y, lancez-vous, faites-vous. Moi, j'aime pas ça, mais allez-y. Comme les lentilles, les extensions, les barésies, le sapin en verre, les M&M's, la paella. Voilà, allez-y. Ce qui compte dans la vie, c'est de se faire du bien. C'est tout ce qui compte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au petit pouce vert. Ah non, c'est plus vert. Non. Pensez au petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des très très gros bisous et vivement la prochaine vidéo. Ciao !